Quelqu'un, il est jeune, il est assoiffé, il veut connaître des choses. Et quelqu'un, il est vieux, il est rassasié, donc il n'a plus besoin de vraiment faire le tour du monde. Est-ce qu'on doit les mélanger ou pas? Alors, Bémet, normalement, en Chazal, ils disent qu'on ne mélange pas, comme j'ai dit, la soifée avec le rassasié. Mais Bémet, c'est marqué ici un chidouche extraordinaire. Il y a marqué que la vie de Sarah, c'est 127 ans. D'accord? 127 ans. À quel âge il est mort, Avraham Avinu? À 175 ans. D'accord? Maintenant, on sait par ailleurs que Yitzhak, quand il a fini la Akedat Yitzhak, il avait 37 ans. Vaïe Achar Devarim Ael, et après ces choses-là, ça veut dire la Akedat Yitzhak. Vaïu Gad le Avraham. On a dit à Avraham, Iné Yalda Malka, elle a mis au monde des enfants. D'accord? Et a marqué, ou Betuel Yalad et Rivka. Il a entendu que Betuel, il a mis au monde Rivka. Trois ans après, parce que dans Minatora, on va dire une femme qui a 3 ans déjà, elle s'appelle une Ktana. Avant, c'est un bébé. 3 ans après, il envoie Eliezer pour la prendre pour Yitzhak. On sait très bien que le Zohar, il dit que quand on a fait Akedat Yitzhak, Yitzhak, il ne pouvait pas avoir d'enfant. Après la Akedat Yitzhak, il a eu sa Neshama qui est venue. Donc maintenant, son Batzouk, ça veut dire son Mazal, il est venu, c'est Rivka. Juste après la Akedat, Rivka est descendue sur terre. 3 ans après, Yitzhak, il va l'épouser. Donc on voit que quoi? Que des fois, une personne, il attend son Mazal, mais en réalité, son mazal, il n'est peut-être pas encore venu. Donc Yitzhak, il a attendu jusqu'à 37 ans. On a fait Akedat Yitzhak, il est monté de niveau, il a une autre Neshama. Maintenant, son mazal est descendu, c'est Rivka. Une fois, quelqu'un était voir le Rav Chaim Kanievski, et il lui a dit, Vodara, je fais des shidouchim, ça ne marche pas. Il lui a dit, c'est normal, ton mazal n'est pas encore né. Alors il a dit, comment, Vodara, j'ai 30 ans. Si mon mazal, il n'est pas né, à quel âge je vais marier? À 60 ans, 50 ans. 3 semaines après, il a rencontré sa femme. Il a été voir Afrin Kanievski, il a dit, Vodara, voilà, je vais me marier et tout, j'ai trouvé mon mazal. Alors, c'est pas mon mazal. Il a dit, si, c'est ton mazal, mais regarde cette fille que tu vas épouser, c'est qui? C'est une convertie. Donc, elle n'était pas née encore. Elle s'est convertie et 3 semaines après, il l'a rencontrée. Alors, Abotai, un hidouche extraordinaire. Avraham Avinu, il dit le Rachaim Akadosh, et comme ça, il dit le Arizal, à quel âge il a rencontré, il a vraiment perçu Akadosh Baruch Hu. Le Rachaim Akadosh, il dit à 48 ans. À 48 ans, Avraham, il vient de découvrir Akadosh Baruch Hu, 48 ans, Moar, Memhet, 48. À 48 ans, ça y est, maintenant il a compris qu'il y a Akadosh Baruch Hu. À quel âge il est mort? À 175 ans. Alors qu'est-ce qu'il a dit à Sarah? Il lui a dit, Imrina Achotia, dis-leur que tu es ma sœur, tu es mon âme sœur. Et d'où on sait que c'est son âme sœur? Parce qu'elle, elle est morte à 127 ans. Maintenant, Avraham, il est mort à 175 ans. Si vous faites 175 moins 127, ça fait 48. C'est-à-dire qu'à 48 ans, il a, comme il dit le Rahim Akadosh, il a vraiment conçu, il a vraiment pris conscience qu'il y avait Akadosh Baruch Hu. À ce moment-là, Sarah Imenu, elle est née. Comment je le sais? Parce qu'elle est morte à 127 ans et lui, il est mort à 175 ans. Donc, dès qu'il y a eu Akedat Yitzhak, Rivka, elle est née. Dès qu'Avraham Avinu, il a compris le Tachlit, il a compris que c'est Akadosh Baruch Hu. À 48 ans, Sarah, elle est née. La preuve, elle est morte à 127 ans et Avraham à 75 ans. Donc, Rabotai, on voit que tout est lié en réalité. Des fois, il y a des différences d'âge. Faut pas des fois avoir peur quand quelqu'un il fait tchouva ou il se convertit, c'est normal. C'est à ce moment-là, des fois Hachem il attend que la personne atteigne une madriga pour Bédrat Hachem faire descendre son mazal.